Blonde, son fils parti chercher la vie, aurait pris pour lui. Hey, 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 elle pense à lui. Putain, faut qu'il réussisse. Oh, elle prie pour lui. Hey, hey, hey. Ça fait longtemps déjà. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Elle est tout n'attend que ça. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Ça dépend de toi. 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 Hey. Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. C'est votre homme invité irritant. Voilà, 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 voilà. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez bien vu la démo, vous avez écouté le son. Prenez la peine, pour ceux qui aiment vraiment irritant, ceux qui admirent vraiment irritant, de regarder dans la description de vidéo, sous ma vidéo en description, il y a le lien de l'artiste là-bas. Cliquez, allez regarder, partagez, likez et commentez. Voilà. L'artiste est à son premier, son tout premier single, voilà. Pour petite historique, l'artiste est le transfuge du groupe Public Dream, voilà. Désormais, il fait une carrière solo, il s'appelle Mr. Lexos, il est en featuring avec un de ses potes, du nom de Maoren. Franchement, c'est un gros talent, c'est un gros, 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 gros talent, voilà. Moi, je pense que s'il y a un producteur qui est malin, qui est visionneur, ne pas dire visionnaire, c'est mieux de se manifester maintenant. Sans vous mentir, hein, l'artiste là, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Si je vous dis qu'il a besoin d'argent, je vous ai menti. Parce qu'il se suffit largement. Largement. Mais comme c'est encore plus pro de se faire produire et moins coûteux, c'est pourquoi je lance ce message-là. S'il y a un producteur qui est malin, qui a le flair, il a qu'à vite se manifester. Le inbox d'Erito ne va pas regretter. Ce que tout le monde apprécie aujourd'hui, là, ce petit signal que tout le monde apprécie, là, comme on dit, c'est le dernier de ses sons, c'est le dernier de ses inspirations. En tout cas, n'oubliez pas de regarder en description des vidéos, de cliquer, d'aller écouter les liens. Et de continuer de faire vos vidéos pour les mettre en démo, pour que je les mette en début de ma vidéo. Voilà, là, il s'appelle Mr. Lexos. M-R-L-E-X-O-S. Vous tapez sur YouTube, il sort. Voilà, donc je compte sur votre soutien. Merci. Dans cette vidéo, en fait, je vais être un peu cru. Voilà, vous savez, il y a mon petit cagoulé qui, depuis un certain moment, qui sort ras-le-bol. Ah, malheureusement, Erito a prêché cela il y a des lustres. Belle lurette, je dirais. Voilà. Je ne dis pas que je suis content de sa réaction, mais je suis pour sa réaction si je veux être vrai. Voilà, si je ne veux pas être fait béni, oui, si je ne veux pas être fan suiveur. Pourquoi je vous dis que. Je vous dis. Pour, si vous voulez vous expliquer le vrai problème de Desbordeaux. En fait, Desbordeaux a certes une part de responsabilité dans tout ce qui se passe autour de lui. Il a certes une part de responsabilité dans tout ce qui se passe autour de lui. Mais je ne chercherai jamais de dire encore que les deux gros problèmes de Desbordeaux, c'est un, son staff, et surtout, ses fans très, très, soi-disant, en gris, gamés. Il y a des gamés qui aiment la tisse, ça je respecte. Mais les gamés idiots, excusez-moi pour le terme, mais c'est ce qu'ils sont, c'est eux qui tuent la tisse. Voilà. Je ne vais pas citer des noms pour leur faire de la pub ou bien pour leur dire que je les considère. Mais au moins, ils vont se reconnaître dans mes propos. Je vous explique un truc simple. Pour ceux qui disent que moi, je cherche de l'argent sur YouTube et tout ça, ça, c'est votre avis. Mais j'ai fait près des mois sans faire de vidéo. Quand je fais une vidéo, je gagne un peu d'argent. Donc, logiquement, que ce soit vos injures, je m'en fous, je continue de faire mes vidéos. Mais j'ai fait ça sciemment pour vous dire que
Je suis pas à ça près. Je suis allé à l'école, j'ai des diplômes et je travaille. Et Dieu merci même, ça va aller encore de mieux en mieux parce qu'il y a des personnes de très grande importance qui me font confiance. Et vous verrez la suite. Quand souvent je fais mes postes, puis je vous dis, demain nous dira là, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Moi, je travaille avec beaucoup de logique. Mon artiste me pousse à faire quelque chose pour quelqu'un, je le fais. Si vous voulez, bien avant ça, je suis acteur de promotion de la culture ivoirienne. Mais quand je le fais, ça dérange. Mais quand les autres le font, ça ne dérange pas. Comprenez aussi à travers cette vidéo-là que je ne vais plus faire attention à vos commentaires à deux balles. Parce que vous n'en valez pas la peine. Parce que si même le cagoulé, mon petit cagoulé, qui est l'un des plus fidèles, j'ai dit bien des plus fidèles, des fans inconditionnels de Bordeaux, crie son ras-le-bol, interpellez-vous vous-même. Ne regardez pas l'artiste, c'est vous. Ces fans tarés là. Je prends un exemple simple que vous compreniez quelque chose. Le petit, il fait un post sur Facebook, un long post sur Facebook où il explique un peu la foutaise de l'artiste, le manque de considération de l'artiste. Il y a un idiot qui sort de nulle part qui dit c'est Erito qui est à la base. C'est Erito qui est à la base. Quand j'imagine que chaque jour, mes proches, mes parents, mes amis me demandent si je suis le manager de Bordeaux, vous voyez un peu l'ironie, vous voyez un peu ce que ça fait en fait. Ça fait rire en fait. Pendant que d'autres pensent que moi je mange avec de Bordeaux, pendant que d'autres pensent que moi je vis avec de Bordeaux, je fais tout que pour de Bordeaux, il y a d'autres qui pensent que moi je ne suis pas un vrai fan. Ce débat-là, je suis plus dedans les amis, moi je m'en fous. J'espère que le cagoulé aussi est aussi un faux fan. C'est que vous auriez un problème avec moi-même, ma personne. Il a dit ce qu'il pensait et c'est la vérité. Je suis d'accord avec ça. Je suis très très d'accord avec ça. Quand on crée notre chaîne, on n'a pas dit qu'on venait parler d'un seul artiste. On voulait parler de tout et de rien. Le mec, il a dépassé les 500 vidéos quand même sur sa chaîne. Pourquoi quand je vous demande d'aller visionner mes vidéos, vous ne le faites pas? C'est moi qui ai annoncé tristement ici la mort d'un grand artiste Zouglou, DJ Champion. C'est moi qui ai divulgué quelques images des inondations qu'il y a eu à Abidjan. C'est moi qui ai fait une vidéo ras-le-bol lorsqu'ils ont tué le petit Booba, père à son âme. Vous pensez que si ce n'est pas par amour pour ma culture, pour mon showbiz ivoirien, j'ai quoi à foutre à faire des vidéos sur ça? Rien. Les vrais sorciers de Bordeaux, c'est vous, ces gens de personnes-là. Vous qui l'encouragez dans tout et n'importe quoi. Vous qui passez le temps à nous dire que non, quand il y a un problème, il faut rentrer dans l'inbox de l'artiste. Mais quand tu rentres dans l'inbox de l'artiste, et puis il te prend quand même moins que rien. Or, dans le fond, il n'est pas mieux que toi. Moi, je le dis toujours. Tu le fais juste par fanatisme, parce que tu l'aimes, c'est tout. Sinon, il est loin d'être mieux qu'Irito. Moi, personnellement, oui. Moi personnellement. On dit, je me vends beaucoup, mais pour ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. C'est juste par amour. Quand tu rentres dans son inbox, qui à peine il te répond. Il y a beaucoup de choses, si je vais vous dire, beaucoup seront découragés. Mais ce n'est pas ça mon rôle. Parce que je l'ai dit en début de vidéo que, certes, de Bordeaux a une part de responsabilité dans ce qui se passe actuellement pour sa carrière. Mais le vrai problème là, ce sont ces faux fans là. Ceux qui disent, qui pensent que être fan, c'est tout accepter de l'artiste. C'est insulter à tout bout de champ. C'est, quand je dis ça, c'est détester les concurrents de son artiste. C'est pour ces gens de personnes-là. Je ne suis pas le plus intelligent, mais je ne pense pas que parmi vous, il y a beaucoup qui réfléchissent mieux que moi. Je ne pense pas. Parce que vous êtes dans une définition de fan où je ne me retrouve pas. C'est là le problème entre nous. Vous savez quoi? Je ne cesse pas de vous dire que beaucoup de fans, fans de Bordeaux, fans de Didier Arafat, fans de Beno, fans de Mix, même fans de Kérosène, fans d'Ariel Chiné, sont en contact avec moi. Ils aiment ce que je fais, ils adorent ce que je fais, parce qu'ils savent que je suis vrai. Je ne vais pas pour plaire à qui que ce soit.
J'ai intervenu à un moment précis de la vie de Latis. Normalement, je devais être redevable. Parce qu'il n'y avait personne. Et puis, il a fait ça. Bien. Sur le plan de la promotion, sur le plan judiciaire, sur tous les plans. Mais beaucoup ont la mémoire courte. Moi, j'ai une mémoire d'éléphant. C'est pourquoi je vous demande toujours d'aller visionner mes anciennes vidéos. Vous êtes là en train de détruire la carrière de Latis. Avec votre soi-disant fanatisme à deux balles là. Vous pensez que c'est parce que vous aimez trop Latis. Vous êtes en train de tuer Latis. Vous êtes en train de l'enfoncer. Moi, je rappelle toujours dans mes vidéos que, hey, des Bordeaux, tu n'as pas 28 ans. Tu n'as pas 25 ans. Tu n'as même pas 30 ans. Tu as dépassé ça largement. À quel moment tu vas prendre ta carrière au sérieux? C'est ces fans, comme je l'ai dit, il y a 2 à 5 francs là qui te gâchent. C'est ceux-là qui vont te construire demain. C'est les gens comme nous, on dit, on t'aime pas là. Qui ne sont pas tes fans. C'est nous, on veut ton bien. Ton nom, on veut que tu ailles très très loin. Tu te lèves, tu fais une tournée. C'est bien beau. Moi, je vais te soutenir comme je peux, comme je dis. Et maintenant, je ne force pas. Je fais ce que je peux. Voilà. Parce que j'ai toujours un amour pour Latis. Je suis toujours avec lui. Mais je ne me casse plus la tête. Parce que c'est une sphère d'hypocrisie. Une sphère d'égoïsme. Chacun vient chercher non. Moi, je ne cherche pas non. Je ne cherche même pas non. Mais il avance bizarrement. Il faut souvent réfléchir avec sa tête. Et non réfléchir avec ses mollets, ses fesses, ses pectoraux. Pour dire que quoi? Il faut réfléchir, il faut mûrir. Il faut vraiment analyser, il faut être vraiment critique dans tout ce qu'on fait. Sinon, on n'encourage pas la tisse. On est en train de l'enfoncer même. Bien! C'est comme si vous avez mis du fer chaud. Vous êtes sur un forgeron, le fer chaud qui peut vous faire ce truc-là. C'est bien chaud qu'ils aient entré au fond dans le petit trou de notre tisse. Ressaisissez-vous, les amis. Vous vous connaissez, hein? J'ai même pas besoin de dire votre nom parce que vous n'en valez pas la peine. Vous êtes des faux fans. Et mieux, j'ai des preuves. Il y en a qui sont là juste pour se faire voir. Il y en a qui sont là pour qu'on dise que ils connaissent des Bordeaux, ils causent avec des Bordeaux, ils marchent avec des Bordeaux. C'est pathétique. Vous voulez pas marcher avec Beyoncé? Vous voulez pas marcher avec Jay-Z? Vous voulez pas marcher avec Eminem? Ou bien avec Dadju, ou bien avec Matt Gims? C'est avec des Bordeaux, vous voulez chercher le nom. Nous, on le fait juste par amour. Hein. L'artiste même sait. Depuis que, par rapport à quelque chose, j'ai dit plus jamais j'ai rentré dans un inbox. Je n'y suis plus rentré. Mais j'ai continué à parler de lui. À le défendre quand il fallait. À faire des vidéos pour lui quand il fallait. Vous êtes là à raconter du n'importe quoi. Vous n'avez même pas honte de partir. Dit, on a payé les CD. De Didier Arafat à 300 francs ici que personne n'a acheté. C'est de la malédiction que vous mettez sur votre progéniture, je vous le dis, hein. C'est de la malédiction que vous mettez sur votre progéniture. Mais c'est demain vous allez comprendre. On dit même quand on tue l'homme, on demande pardon et puis on accepte. Même quand on tue l'homme, on demande pardon et puis on accepte. Vous pensez que c'est ça aimer un artiste? C'est vous là qui avez sali l'image de Bordeaux. C'est que de Bordeaux a fait des apparitions souvent très virulentes, très grossières, très violentes sur les réseaux sociaux. C'est nous là. Quand on venait faire vidéo pour dire, hey, de Bordeaux, tu as saillé, plus jamais. Faut plus jamais faire ça encore. Si tu connais pas la division d'un artiste, il a été rappelé ça. Faut plus jamais faire ça encore. En moins que tu sois venu à la musique par hasard. Et tu fais des choses pour avoir que des miettes. Sinon, faut plus jamais faire ça encore. Tu es en train de salir ton image. Pendant ce temps, vous faisiez quoi? Il a ses raisons. S'il a insulté la maman de X, il a ses raisons. S'il a dit ça à X, il a ses raisons. C'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. C'est ça que vous appelez, on défend notre artiste. C'est ça que vous appelez force à déborda. On est avec des Bordeaux. Actuellement, la carrière de Bordeaux, là, vous savez pourquoi elle est comme ça? C'est parce que Dieu a regardé vos vilains agissements négatifs, là. Et puis, il est en train de confondre même la carrière de notre artiste. C'est pas l'artiste le problème, c'est vous. C'est vous qui êtes en train de tuer notre artiste. Comme bizarrement, il y a certains fans qui aiment bien le buzz, qui aiment bien où il y a clash, où il y a mensonge, où il y a le matu vu. Ils vont forcément cliquer pour vous regarder. Des gens qui font des vidéos qui n'ont rien à voir avec le contenu. Des gens qui font des vidéos, le titre n'a rien à voir avec le contenu. Des gens qui font des vidéos où ils ne savent même pas s'exprimer à peine. Je ne parle pas d'aller à l'école parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui ne vont pas aller vraiment loin à l'école, mais qui s'expriment très bien. Et il parle français, c'est cohérent. Il va parler de A, il n'est même pas tombé si B, il se résout dans Z.
C'est des gens comme ça là. Irito va venir s'asseoir et puis en venir faire genre concurrence ou bien en venir montrer que non, on aime tout même chose. Continuez de bavarder. Maintenant, je fais ce qui me plaît. Malheureusement, mon matos là, comme vous savez, ça connaît ça. Mais ça a venu. Quand ça a venu, vous allez voir que j'ai mieux à apporter que de venir parler de X ou de Y sur ma chaîne. C'est par respect souvent, je faisais tabula rasa, quoi. Je faisais table rase. C'est par respect pour vous, pour mes abonnés surtout, mes abonnés. Sinon, vos commentaires, je vous jure, ça me dit absolument rien. Mais quand les gens t'appellent, ils t'écrivent, il faut considérer cela. Demando, fais ta tournée européenne. Avant de faire ta tournée européenne, j'avais annoncé la tournée européenne et puis j'ai dit que je pense que tu vas nous laisser quelque chose en bonne partie. Mais en vrai dit, Demando, tu es trop porté sur l'argent. Parce que si tu n'es pas porté sur l'argent, tu ne peux pas t'élever soudainement comme ça. Et puis, parti faire une tournée. Pendant ce temps, tu as laissé quoi? Des fans qui sont en Côte d'Ivoire, des fans qui ne sont pas en Europe, qui sont en Afrique, aux États-Unis, dans les pays là. Ils vivent comment? Tu n'as pas dépêché quelqu'un pour nous donner des vidéos de prestations pour qu'on mette ça sur nos chaînes. Tu ne nous donnes aucune information. On pense à toi comment? On reste en contact avec toi comment? Il n'y a pas que de l'argent seulement dans la carrière d'un artiste. Hein? Il y a le bon nom. Et puis il y a une histoire à laisser. Mais quand il y a trop de péripéties dans notre histoire là, c'est dangereux. Vous voyez, ça nous rattrape toujours. Excusez-moi si j'ai été un peu long, hein, mais il fallait que je dise ça. Il fallait que je dise ça. Les vrais sorciers de Bordeaux, c'est vous et vous vous reconnaissez. Et puis sachez que je n'ai pas fait cette vidéo là pour plaire à quelqu'un. Voilà. Big up à mon côté, quand vous voulez. Big up à tous les vrais fans de Bordeaux. Et sachez que la musique qui va régner vivra toujours. Voilà. Merci encore.